Bonjour Dominique. Bonsoir Philippe. Alors merci d'être parmi nous ce soir. Donc l'idée c'est de prolonger l'atelier 2 du dimanche 18 avec les questions qui ont été à la fois posées en fin de séance et puis deux autres questions qui ont été envoyées sur YouTube et Facebook, En ligne alors, qui d'accord. a été en ligne. Alors je vais lire la première question. Oui. Je ne sais pas si tout le monde, c'est bien lisible, mais je passe en même temps le carton à l'antenne, comme ça, voilà. Et donc je la lis. C'est une question de Raphaël. Je serais intéressé de connaître l'avis de Monsieur Pagani sur un phénomène qui semble réunir en théorie une assez large part des philosophes dont se compose le découpage historique et philosophique qu'il a opéré, à savoir le Bildung roman. On y compte bien sûr l'Émile de Rousseau, auquel le Wilhelm Meister de Goethe semble constituer une réplique bourgeoise, mais aussi la phénoménologie de l'esprit de Hegel, selon le mot d'Hippolyte, et quoique plus lointainement, le Que faire de Lénine, dont le titre reprend celui du fameux ouvrage de Tchernychevski, dont la lecture et la relecture auraient joué un rôle de premier plan dans la radicalisation de Lénine. On a d'ailleurs souvent comparé la conception hegeliano-marxiste de l'histoire à la forme du Bildungsroman. Ma question est donc la suivante. Outre le concept de devenir qui se loge au cœur même de la forme du Bildungsroman, en même temps que de l'esprit révolutionnaire, quelle peut être l'importance du concept de télos, tout aussi central à cette forme littéraire dont l'activité est la mentalité révolutionnaire? Le rêve de Lénine, que vous avez mentionné dans votre exposé, en est pour moi un exemple flagrant. Pourriez-vous élaborer? Bon, ben cette question est suffisamment riche en elle-même pour qu'on la sépare de la deuxième qu'on verra après, hein, dans un deuxième temps. Et alors, je suis frappé par plusieurs choses. D'abord, je n'ai aucun titre à évaluer ceux qui me posent des questions, mais je me permets quand même de féliciter Raphaël pour la richesse de sa question. Voilà. Et en même temps, pour le côté documenté et avisé qu'elle exprime dans sa formulation. Je m'explique. Je vois qu'il connaît assez bien le dossier. Et quand je dis assez bien, c'est pour faire une litote. Des références ou des modèles, si on préfère, dans lesquels s'incarne le concept du Bildungsroman. Je rappelle qu'il y a un S à la fin de Bildungs qui est le S du génitif, c'est-à-dire le roman de formation. Les références qu'il emploie lui-même, celles de Rousseau, de l'Émile de Rousseau s'imposent, hein, c'est l'exemple quasi fondateur, si l'on fait abstraction du moins du parallèle que j'ai fait la dernière fois à propos de la question de notre ami Cécile, qui m'avait interrogé sur le parallèle 16e siècle, 18e siècle, Renaissance, siècle des Lumières. J'avais déjà montré que dès la Renaissance, dès Rabelais et Montaigne, la formation, l'éducation, la transmission jouaient un rôle central dans la problématique politique, que j'avais résumé par la formule commune à l'idéal de l'humanisme du XVIe siècle et à l'humanisme des Lumières au XVIIIe siècle, à savoir que dans les deux cas, le pédagogique y est l'antichambre du politique. Voilà, ça, je crois que je vais développer ça la dernière fois, je ne vais pas tourner en rond et y revenir. Je fais simplement référence pour rappeler que, à un niveau plus moderne, c'est l'Émile de Rousseau qui est fondateur. Parce qu'il propose donc de former le futur citoyen du contrat social, finalement, c'est ça l'esprit d'Émile. Mais je vois que Raphaël le fait suivre de ses meilleurs avatars, si je puis dire. Hein. Je prends avatar au sens des transformations successives de ce modèle. D'abord le Wilhelm Meister de Goethe, dont il dit très bien que c'est la réplique bourgeoise de l'Émile. Dans un sens qui n'est pas nécessairement péjoratif, hein, tout est dans l'ambiguïté du mot Bürger en allemand, qui veut dire d'abord tout simplement citoyen. Donc à la limite, hein, si je prends le mot
burger dans son acception étymologique, il n'y aurait même pas de contradiction entre le Weltmeister et l'Émile de Rousseau, puisque dans les deux cas, il s'agit du citoyen, n'est-ce pas? Le bourgeois veut dire ici le citoyen, l'habitant du bourg, de la ville, de la cité, de la police. On retrouve la même ambiguïté, je fais exprès de ne pas la résoudre pour l'instant, je laisse flotter à son ambivalence, hein. On retrouve la même ambivalence dans la notion de bürgerliche Gesellschaft, cette notion capitale de la philosophie politique, surtout à partir de Hegel, mais une tradition dans la philosophie politique allemande et contemporaine, ce qu'on appelle la société civile. On traduit en français l'expression allemande « bürgerliche Gesellschaft », c'est-à-dire littéralement « société bourgeoise », ce qui ne veut pas dire « société réactionnaire en bourgeoisie », mais « société moderne de ceux qui habitent dans les villes » et non plus la société patriarcale et archaïque de la campagne. Il faut quand même bien rappeler cette ambivalence des notions. Bien. Et enfin, je suis tout à fait d'accord avec lui, que les prolongations, même en allant jusqu'à Lénine, moi j'avais pris aussi, j'avais ajouté la dernière fois, dans la réponse à la question de Cécile, j'avais ajouté, et même pendant l'atelier, l'éducation sentimentale de Flaubert, où on voit bien la transformation du héros de Frédéric Moreau tout au long du roman, de son romantisme naïf, de son idéalisme naïf, dans la relation amoureuse en particulier, mais pas seulement, au début de l'ouvrage, et de son côté désabusé et quasi libertin à la fin, enfin libertin au sens de dessiller. Hein. Donc, il y a ici un matériau très riche et très concret. Mais voilà que le plus important philosophiquement, c'est la fin de la question de Raphaël. C'est qu'il voit bien. Et c'est bien le cas de lire de la fin, parce que la fin de sa question porte sur le concept de fin, telos, justement, et la coloration téléologique qu'elle donne au concept de roman de formation, dont bien sûr la phénoménologie elle-même, et au dire de Raphaël, et moi je suis tout prêt à le valider, à la conception hegeliano-marxiste de l'histoire d'une certaine façon. Alors, j'ai abordé effectivement la problématique, mais d'une manière plutôt allusive, dans les murs de l'ENS samedi dernier, lorsque j'ai rappelé que la notion de téléologie était devenue une notion quasi répulsive, dissuasive dans la pensée postmoderne, en particulier postérieure au structuralisme, n'est-ce pas, que se réclamer de la téléologie, c'était retomber dans les archaïsmes, et bien sûr, ces archaïsmes se ressentant d'une visée totalitaire, puisque qui dit finalisme fait penser au vivant, le vivant à l'organicité, à la totalité, et la totalité au totalitaire. Je vais un peu vite, mais enfin, c'est pas bien difficile d'avoir présent à l'esprit tous les milliers de pages qui n'ont cessé de couler depuis les 60s, surtout les 70s, jusqu'à aujourd'hui là-dessus. Le quotient important, c'est que c'était devenu presque un tabou d'évoquer une dimension téléologique dans la pensée sans que cela contredise une visée scientifique. Voilà, c'était ça les termes du problème. Ou bien on est scientifique, ou bien on est téléologique. Et on comprend mieux, avec cette double oukase, à quel point un certain néopositivisme triomphe à l'heure actuelle. J'insiste sur néo, parce que le néo est toujours plus réactionnaire que le substantif sans le préfixe. Je veux dire, je n'ai rien contre, je ne sais pas moi, contre le classicisme, mais le néoclassicisme, la vogue de la musique baroque, par exemple, au XXe siècle, ce n'est pas tout à fait pareil
que la richesse incontestée et incontestable de la musique d'un Telemann, d'un Vivaldi, et sans même parler de Bach. Donc, voilà, et je rappelle ici que les choses ne se répètent jamais dans l'histoire, sauf sur le mode de la comédie, pour paraphraser une boutade célèbre. Dans la marxologie, dans la marxographie même, mais j'insiste sur ce point, si on est idéologique, c'est qu'on est, on n'est plus scientifique, on est dans l'idéologie, et de préférence dans l'idéologie totalisante, et donc à terme totalitaire. Or, il y a ici une confusion énorme entre deux téléologies. Le finalisme classique, si je puis dire, alors bien sûr, on est bien obligé de se référer à l'Antiquité grecque ici, et encore plus à Aristote qu'à Platon, c'est pas peu dire. Quand on lit le Timée de Platon, on voit à quel point le cosmos est l'objet d'un intelligent design, si je devais employer un titre anachronique, vocabulaire d'aujourd'hui. C'est à peu près ça, quoi. Quand on voit dans le Timée la construction du monde par le démiurge, enfin la construction, pas la création, nous ne sommes pas dans le monde moderne, chrétien, transcendant, judaïque ou musulman. C'est-à-dire, il n'y a pas un Dieu absolu qui crée le monde ex nihilo, en disant que la lumière soit et hop, la lumière fut. Non. Il y a déjà une matière qui est donnée qui s'appelle chaos dans la mythologie, j'en rappelle tout de même. Et la construction du monde se réduit sinon pas à le créer à partir de rien, puisque la matière est déjà là, mais elle est sans dessus dessous, c'est à peu près ça que veut dire chaos, il n'y a ni haut, ni bas, ni gauche, ni droite, ni... et à l'ordonner, à le mettre en forme, à mettre la matière en forme. Voilà. Et on se rappelle que le démiurge que Platon invoque dans le Timée, qui va être l'agent primordial de cette cosmogonie à la fois métaphysique et humoristique. J'en ris parce que je rappelle tout de même que, ça vaut le coup de s'attarder une minute, que Platon nous dit que à l'origine donc de cet aménagement du chaos qui va donner le cosmos, cosmos veut dire harmonie, le contraire de chaos, hein, le contraire de rhapsodie sans suite, pour prendre une image de Dante. Pour cette mise en forme de la matière apportée par le chaos, le démiurge, comment il s'y prend? Il s'y prend en ayant sous les yeux, si je puis dire, bien sûr c'est les yeux de l'âme, le cosmos noétos, c'est-à-dire l'empiré du monde des idées. Il contemple les idées, les modèles, les paradigmes. Et avec, il le compare à un potier, la métaphore est très intéressante, voilà la matière, la terre, la glaise, l'argile qui est donnée, et il faut, avec son tour de potier, lui donner une forme. Il faut en faire une poterie. Et donc ici, au lieu de créer le monde ex nihilo, on aménage le chaos, c'est-à-dire on informe la matière, on donne une forme à l'argile. Seulement voilà, et c'est là qu'il y a un humour extraordinaire chez Platon, et si j'en parle, ce n'est pas pour faire rire simplement, c'est quand même pour rappeler que Platon n'est pas si bête que le croient les antifinalistes. N'est-ce pas? C'est que le problème, c'est qu'il est un peu bourré au moment où il s'y prend pour mettre en branle son tour de potier. Il a bu un coup, et Platon nous dit en toutes lettres que le cosmos a été mis en forme par, je cite, un législateur ivre. Pompette. Donc, de temps en temps, ça dérape un peu. Par exemple, il a devant lui l'idée de cercle, dans le cosmos noétos, l'idée de cercle, pas les ronds dans l'eau, ça c'est grossier, hein, ou le rond que le maître fait sur le tableau qui est hyper grossier. Non, non, l'idée de cercle qui n'existe que dans l'énoncé du mathématicien, le lieu d'un point équidistant d'un même point appelé plan. Bon, je prends la définition archaïque et classique, mais qui reste valable au niveau de géométrie pédagogique. Et voilà que comme il est un peu bourré, et son tour de potier glisse un petit peu, et son cercle, eh ben, c'est dans un ovale, une ellipse. C'est ainsi que le monde qui nous entoure n'est pas conforme
au modèle, il est plein de défauts, de petites approximations. Voilà. Il ressemble au modèle par un certain côté, et en même temps, il lui est infidèle. Voilà. Très riche mythe du Timée, qui montre à quel point il y a à la fois identité et différence, conjonction et disjonction entre le cosmos noétos, le monde des idées, et le cosmos aesthésis, le monde sensible. Bien. Voilà, j'arrête là, c'est des références pour rappeler à quel point Platon est finaliste, mais à quel point déjà se glisse dans le finalisme quelque chose qui n'était pas prévu, un mécanisme, quelque chose d'accidentel, la dent du hasard, avait déjà dit Parménide avant Socrate. Et quant à Aristote, alors lui, c'est le champion de la téléologie que Hegel, et a fortiori les successeurs de Hegel, puisqu'on parle de tradition hegélienne-marxiste, récuse absolument, c'est-à-dire le finalisme externe, c'est-à-dire une finalité qui serait déjà dans les choses avant même l'action humaine, instaurée par Dieu, par un Dieu, par les dieux, par l'harmonie divine, que sais-je, par la providence. Qui fait que certaines disent quand même qu'est-ce que la nature est bien faite. Vous voyez, c'est quelque chose qui revient à la mode avec un certain écologisme pour lequel, s'il n'y avait pas l'intervention de l'homme dans la nature, tout fonctionne à merveille. Il y a une place pour chaque chose à sa place, tout correspond à une fonction. Voilà, et si l'homme était là pour foutre le bins, pour parler comme à l'académie, eh bien, la nature serait une harmonie permanente. Or, je lis un passage de la préface de la phénoménologie où Hegel distingue bien précisément ces deux finalités au moment où il réhabilite, car déjà de son temps, il y avait longtemps que ce finalisme-là était non seulement dépassé, mais critiqué et déconstruit avant tout par le mécanisme galiléo-cartésien. Enfin, quand même, les 2 siècles qui précèdent pratiquement l'initiative hegélienne sont marqués par le triomphe de lié à ce qu'on appelle en histoire la révolution scientifique à partir de la coupure dite galiléenne ou la révolution copernicienne, comme on voudra, tout ça est lié, et qui font que on n'explique plus rien par des fins, hein, mais par des lois, et par des lois qui expriment la nature comme un mécanisme aveugle, et dans laquelle il n'y a aucun sujet se représentant une fin, poursuivant une fin, quelle qu'elle soit. Et c'est même contre ce finalisme d'Aristote que s'est construite la physique, qui continue à être celle qu'on enseigne dans nos laboratoires. Donc, je lis ce passage. Ce qui a été dit peut encore être exprimé de cette façon. La raison, je rappelle que depuis Kant, hein, dans la pensée allemande, oppose de manière systématique la raison, Vernunft, à l'entendement, Verstand. Donc la raison est l'opération conforme à un but. Voilà ce qui est absent des sciences au sens positiviste du terme, où seul le Verstand est à l'œuvre, ce qu'on appelle pas, qui n'empêche absolument pas ces sciences d'être exactes d'ailleurs. Mais qui font qu'elles patinent dès qu'il s'agit de les appliquer au domaine anthropologique. Mais ici, nous sommes dans la raison. La raison est l'opération conforme à un but. L'élévation, et comme il sait très bien que la notion de but a été contredite et réfutée par le mécanisme moderne, il prend soin de préciser. L'élévation d'une nature prétendue au-dessus de la pensée méconnue et principalement le bannissement, sous-entendu par Galilée Descartes, le bannissement de toute finalité externe, c'est une finalité qui serait déjà là dans la nature avant l'action humaine, ont jeté le discrédit sur la forme de but en général. Il ne s'agit pas de revenir là-dessus. Mais dans le sens dans lequel Aristote détermine la nature comme l'opération conforme à un but, le but est, il rappelle des basiques d'Aristote, l'immédiat, ce qui est en repos, l'immobile qui est lui-même moteur. Ici, Hegel élève ce qui
était déplacé à tort dans le domaine physique chez Aristote pour le transporter dans son lieu légitime qui est métaphysique, l'immobile qui est lui-même moteur. C'est ça la fin des fins, hein, chez Aristote, la forme des formes. Ainsi, cet immobile est sujet. L'erreur d'Aristote, c'est d'avoir cru que c'était un objet qui existait en dehors de nous. Pas l'immobile qui est lui-même moteur. Ainsi, cet immobile est sujet. Sa force de mouvoir prise abstraitement, donc à tort, hein, quand on connaît un peu Hegel, est l'être pour soi ou la pure négativité. Le résultat est ce qu'est le commencement, parce que le commencement est le but. En d'autres termes, l'effectivement réel est ce qu'est son concept seulement parce que l'immédiat comme but a le soi ou la pure réalité effective en lui-même. Donc, je répète les premiers mots qui sont essentiels. L'élévation d'une nature prétendue au-dessus de la pensée méconnue est principalement le bannissement de toute finalité externe dont jeter le discrédit sous la forme de but en général. Effectivement, quand on regarde la critique qui commence à l'époque de Galilée, qui se développe bien sûr puissamment chez Descartes et ses successeurs, pensons au mécanisme qui gouverne la nature et le mécanique chez Spinoza, par exemple. Lorsqu'on regarde cette critique du finalisme antique, et principalement celui d'Aristote, on a raison de dire, ou plutôt, on a tort de le poser comme une simple erreur. Il ne s'agit pas de dire Aristote est idiot et Galilée est intelligent. C'est absolument stupide. Mais il s'agit de voir, il y a dans la pensée antique une aliénation, là je fais exprès de faire un anachronisme, c'est-à-dire ce qui est propre à l'homme est attribué à autre chose que lui, à l'us, à la nature. Comme nous sommes entourés d'objets fabriqués qui sont faits en vue d'une fin, et c'est encore plus valable aujourd'hui que jamais avec les machines que l'on construit, auxquelles on assigne une fonction, la fonction, c'est un terme pudique pour ne pas dire fin, mais c'est la même chose, n'est-ce pas ? C'est ce à quoi sert la chose dont on parle. Comme nous sommes entourés d'objets, il y a qu'à regarder autour dans cette pièce, comme dans toutes les habitations humaines, je veux dire, il y a incomparablement plus d'objets qui ont été conçus, comme, comment il dit, opération conforme à un but, que des choses dues au hasard et à un mécanisme aveugle comme les découlées de lave sur les pentes du Vésuve ou comme des poussières d'étoiles résultant d'une étoile filante. Donc, encore une fois, il y a ici aliénation au sens strict dans la mesure où l'homme finit par voir le monde qui l'entoure, y compris le monde de la nature, sur le modèle de ses propres objets fabriqués, c'est-à-dire obéissant à une finalité. Voilà où est l'aliénation, voilà où est l'erreur. C'est ce qu'on appelle, d'une manière courante et vulgaire, l'anthropomorphisme. On donne la forme morphée de l'homme, anthropos, à tout ce qui n'est pas l'homme, au cosmos, à la nature, à l'univers, etc. Bien. Mais alors, si on garde cette critique, à laquelle je ne prétends pas enlever quoi que ce soit, si l'on conserve cette critique, il faut être juste, ça veut dire qu'on n'a pas supprimé la finalité. On l'a enlevée de là où elle n'a rien à faire, c'est-à-dire dans l'ordre naturel, et on l'a remis dans son lieu d'origine, d'où elle était niée, c'est-à-dire on l'a restreint au domaine humain, domaine anthropologique. De sorte que, pour me résumer, je dirais qu'il y a une espèce, il y a trois étapes dans l'histoire de la pensée à ce niveau-là. Il y a le finalisme antique, qui est une conception impérialiste de la philosophie. J'assume cette métaphore politique. Pourquoi ? Parce que la philosophie est un petit peu là la science des sciences, avec sa notion de finalité, elle englobe tout, le monde humain, le monde naturel, tout y passe. Le système d'Aristote est le plus représentatif de ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas besoin d'insister pour dire que c'est un des plus formidables efforts de pensée qu'on ait jamais fait. Hein, je parie ici que de ce qui a été
de ce qui a été pris à défaut à partir de leurs réponses scientifiques. Ça ne veut pas dire que c'est un amas d'âneries, loin de là. Au contraire, je suis en train de montrer que les erreurs d'Aristote ont une raison d'être. Il y a tout un champ épistémologique, surtout l'école épistémologique française, qui montre que la différence d'un Voltaire qui se contente de dire la religion c'est des conneries, enfin, je ne dis pas comme ça, mais je veux dire, il faut être stupide pour croire à ces fariboles. Je veux dire, la vraie critique de la religion, celle qui seule peut non pas seulement corriger une erreur, mais se débarrasser d'une illusion, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est celle qui consiste à voir pourquoi elle a cette force. L'erreur illusion, ce n'est pas n'importe quelle erreur, ce n'est pas 3 plus 5 égale 12 parce que je suis fatigué et qu'une tasse de café suffit à dissiper. Mais l'illusion correspond à un intérêt, il y a une raison d'être. J'ai intérêt à me tromper. C'est plus confortable de se croire au centre de l'univers que de penser qu'on est un habitant de sa banlieue. Hein, voilà, pour parler de la révolution, de l'illusion pré-copernicienne, par exemple. Donc on n'a pas achevé la compréhension de la science quand on n'a pas fait la philosophie de l'erreur pré-scientifique, qui consiste à attribuer à autre chose qu'au sujet, à aliéner ce qui est propre au sujet et de le transporter dans l'objet qu'on étudie. Il y a des milliers d'exemples. Je me contente de la révolution copernicienne, qui est un exemple emblématique. Et donc, je ne vais pas développer ici tout ce qui est propre à l'illusion, à la différence de l'erreur. Hein, le vrai, il n'est pas seulement différent du faux, il en est l'inverse. Ce n'est pas exactement comme devant un miroir. Ainsi, bon, je croyais être au centre, je suis à la périphérie. Voilà. Hein. Quand on remet les choses en place, c'est un renversement total comme dans un miroir. Mettons-nous devant une glace et on comprendra facilement que rien ne ressemble plus. C'est pour ça que c'est difficile de se débarrasser d'une illusion. Et pourtant, tout est à l'envers. Donc, corriger l'erreur veut dire ici, non pas supprimer la finalité, je reviens au centre de mon propos, supprimer la télone, la fin, l'idée de fin, comme étant une idée archaïque, mais au contraire de dire, la fin, ça existe, mais seulement dans le monde de celui qui fabrique des objets, dans le monde de l'homme. Dans le monde de la praxis, c'est la praxis qui donne une forme à la matière, qui fait que le cuir, la peau de la chèvre ou de la vache devient sandale. C'est l'exemple que prend Aristote quand il parle de la praxis. Ou que l'argile de la nature devient la poterie en passant par le tour du potier, pour prendre l'exemple de tout à l'heure. Voilà, mais pour ça, il faut que ce ne soit pas seulement un simple mécanisme aveugle qui fasse tourner le tour du potier, mais il faut que ce soit un mouvement conforme à une fin. Et effectivement, Raphaël a parfaitement raison de prolonger Hegel par la tradition marxiste, puisque Marx, dans un passage non moins célèbre, dit très bien que ce qui distingue immédiatement l'architecte le plus maladroit de la plus habile des abeilles, c'est que l'architecte a sa maison dans la tête, pour parler familièrement, avant de la construire dans la réalité. Il y a une représentation, c'est-à-dire le sujet a dans la tête quelque chose qui n'est pas là, même dialectique, il y a là quelque chose qui n'est pas là, c'est ça une représentation. C'est donner une présence à ce qui est absent. Ça ne peut exister que dans le monde de l'homme parce que c'est exactement la définition du signe. Un signe, c'est quelque chose qui permet de donner une présence à ce qui est absent. Et c'est pour ça que le premier signe, séma, ça donne sémantique, sémaphore, le premier signe, c'est le tombeau qui exprime l'absence par excellence. Le premier signe, c'est le tombeau qui se dit en grec soma, c'est un jeu de mots qu'on retrouve depuis Platon, jusqu'au monde contemporain, entre Séma et Soma, un signe, un tombeau. Et du coup, j'en profite pour embrayer sur, tu y as fait allusion quand tu as introduit notre séance de réponse aux questions. Il y a deux questions qui ont été posées à la fin de l'atelier de samedi dernier, de samedi 18,
dans les murs de l'ENS et dont j'ai complètement bâclé la réponse, comme souvent en fin de séance, à cause d'une gestion un petit peu borderline, avais-je dit, pardon pour l'emprunt à une langue étrangère, du temps imparti. Une question qui portait précisément sur le rapport, on me demandait quel rapport y a-t-il entre la médiation et le négatif et la négativité. Et une autre question qui disait, je croyais que Hegel était le philosophe de la liberté, et voilà que j'apprends aujourd'hui, sous-entendu à travers l'intervention que je me suis permis de faire samedi dernier, que à la base du processus anthropologique, il y a quelque chose de négatif. C'est allusion, bien sûr, au rôle important que joue la mort dans la dialectique hegelienne. Or, quel rapport avec la notion de fin que je viens ici de restituer au centre du débat, en précisant bien que ce n'est pas une régression à la vieille finalité extérieure et superstitieuse, hein, mais à la fin qui est le propre de l'anthropos. Vous voyez comme c'est cohérent. Hein. Aujourd'hui, on essaye de diluer la spécificité humaine dans le monde animal. Ce serait tellement mieux pour le capitalisme de dire que nous sommes tous des espèces animales en train de nous entre-dévorer. Ce serait tellement mieux. Et que nous sommes dirigés par des mécanismes aveugles et que c'est bien vain de vouloir instituer un contrat social au milieu de tout ça pour y introduire une démocratie et pour faire un ordre voulu et non pas un chaos subi, hein, dans lequel le capitalisme voudrait bien nous replonger. Non, mais parce qu'il y a ça derrière les enjeux de théologie au mécanisme. Ce n'est pas des problèmes de connaissance seulement. Il y a de grands enjeux. Pourquoi le capitalisme est friand du néo-positivisme? Je pense à la vogue des sciences cognitives, c'est tout de même pas un hasard. C'est-à-dire, on accepte la scientificité dès qu'il s'agit des objets, on accepte la scientificité et la rigueur scientifique, celle de l'entendement, sans aller jusqu'à la raison, au laboratoire, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de voir ce qui régit les choses, mais certainement pas ce qui régit les autres, c'est-à-dire les relations entre sujets. Pour les objets, on veut bien qu'il y ait de la science parce qu'on en a besoin. On en a besoin, c'est pas, pour avoir une technicité asservissante. Mais on ne veut pas que cette technicité soit gérée démocratiquement par la volonté générale, car ce serait passer de l'entendement à la raison. Et ce serait passer de la société civile capitaliste, n'est-ce pas, à la République. À la chose publique et commune à la fois. Voilà, je rappelle ici exprès les enjeux qui sont sous-jacents à cette question de la présence ou de l'absence de la question téléologique dans le débat. Voilà, il ne s'agit pas d'être téléologiste ou d'être anti-téléologique. Il s'agit de montrer qu'il y a déformation idéologique et délire lorsqu'on attribue une fin là où il y a un pur mécanisme qui suffit parfaitement à la compréhension des choses, c'est le cas dans les sciences dites dures, les sciences dites de la nature, et que dès qu'il s'agit du domaine humain, le couple sens-signe doit prendre le relais sur le couple cause-effet. Je ne suis pas en train de dire doit le remplacer, ce serait l'obscurantisme. Je dis prendre le relais. Prendre le relais, c'est aussi prolonger. Car je garde le système de la cause et de l'effet qui reste valable, y compris pour les êtres que nous sommes. Il est évident que si je dois manger pour vivre, ça ne doit rien au couple sans ce signe. C'est l'effet d'une causalité naturelle qui a la forme y égale f de x, comme tout ce qui gouverne les sciences dures, dès qu'on veut y introduire une législation. Peu importe ici que la fonction soit mécanique ou probabiliste, comme dans les quantas. Mais ça, il y a en moi de l'animalité jusqu'à la fin de ma vie. Il y a de la cause et de l'effet, mais à cela se rajoute, vient se greffer, à partir du moment où la praxis est intervenue, à partir du moment où il y a un animal qui produit le monde dans lequel il vit, non pas qu'il arrive, comme à pas mal d'animaux, et pas seulement aux singes, de se servir d'objets qui sont là à titre instrumental pour arriver à une finalité immédiate et naturelle qu'est la nourriture. Ça, c'est pas bien mystérieux. Qu'un singe prenne un caillou pour casser une noix,
qu'un oiseau ramasse un galet sur la plage, ça se vérifie quand on veut, un oiseau marin, et aille assez haut, pardon, oui, ramasse un coquillage, pardon, qu'il a envie d'avaler, et que pour le briser et avaler l'animal qui est à l'intérieur de la coquille, il monte assez haut pour le faire se briser sur les galets et le manger ensuite. Ce qu'un oiseau, ce qui paraît encore beaucoup plus sophistiqué, parce qu'on dit bien une tête de linotte, hein, ou crâne de piaf, pour dire qu'il n'y a aucune pensée dans ce tout petit cerveau. C'est un contresens, parce que parmi les plus gros rapports de taille de l'encéphalocorps, il y a le corbeau et la fourmi, par exemple. Mais enfin, je reprends mon oiseau, un passereau, qui, ça peut s'observer couramment, casse avec son bec, arrache une épine sur une branche pour l'enfoncer dans un trou, hein, et piquer un ver qu'il va déguster en sortant du trou grâce à l'épine. Ce sont des actes extrêmement sophistiqués. Mais bon sang, ce n'est pas du tout des outils, ce sont des instruments. Où est la différence? Et pour ça, je recommande au passage l'admirable ouvrage de Tran Duc Tao, marxiste vietnamien, et qui est familier de la phénoménologie d'ailleurs, qui a fait un admirable essai sur l'origine de la pensée, de la conscience, pardon, et du langage, hein, où il montre très bien la différence par rapport à l'homme qui construit d'abord l'outil lui-même, pas l'instrument, qui construit l'outil, qui ne se contente pas d'utiliser un instrument déjà là, mais qui produit un outil qui n'a jamais été là parce que on le reconnaît, et c'est ça qu'il distingue de tous les instruments qu'on peut trouver dans un dégel naturel, il a une forme typique, comme dit très bien Tran Duc Tao. Ainsi, on parle de la civilisation des haches tombales sur le parcours qui va de la Méditerranée jusqu'à l'Irlande, en passant par la côte atlantique, on trouve dans les tumulus, voilà, des haches qui sont enterrées avec le guerrier ou le défunt, peu importe, je veux dire, qui ont toutes la même forme, avec un manche, et de même chez les Francs, la Francisque, c'est la hache avec une double lame. À chaque fois, l'outil, il y a une mémoire d'une forme qui peut s'incarner dans le bois, dans la pierre, ça dépend, etc. Mais voilà, quand on voit les pointes de flèches, c'est encore plus évident. Hein. Moi qui ai été dans le Sahara, au Niger en particulier, lorsque le vent a dégagé les dunes, on voit des milliers de pointes de flèches qui sont toutes faites sur le même modèle, si je puis dire. Et c'est ce côté typique qui suppose qu'il y a dans le cerveau de celui qui a produit ces outils, une représentation fixe, une forme, une eidos, hein, le même mot qui donne à la fois forme chez Aristote et idée chez Platon. Donc voilà, je veux dire, c'est à cette forme que Marx fait allusion quand il dit que l'architecte, même le plus malhabile, est infiniment au-delà du travail mécanique de l'abeille qui fait sa cellule, qui fait une cellule admirable d'ailleurs, hein, c'est pas hexagonal, mais dans la mesure où il a sa maison dans la tête avant de la produire dans la réalité. Voilà comment je réponds à la question de Raphaël. Oui à la téléologie, oui à la réhabilitation du concept de fin, à condition qu'elle soit inséparable, comme une implication, au sens mathématique du terme, de la notion de sujet et d'un sujet fini. C'est là qu'on voit que ce n'est pas du tout un retour du religieux, d'un sujet qui est fini dans l'espace par son corps et dans le temps par la mort. Je fais allusion à l'homme, bien sûr. Il n'y a que là que la notion de fin a un sens. Pourquoi? Parce que Dieu ne poursuit aucune fin, ce que Spinoza a parfaitement bien vu. N'est-ce pas, quand on a tout ce qu'on veut et depuis une éternité, puisqu'on est tout puissant et qu'on est éternel, je ne vois pas pourquoi il vous manquerait encore quelque chose, au point qu'on ait quelque fin que ce soit à poursuivre. Donc, Dieu ne poursuit aucune fin. À l'autre extrême de Dieu, à l'extrême opposé, le caillou ne poursuit aucune fin. C'est le pur mécanisme que le Y égale F de X suffit à expliquer les mouvements du caillou dans l'univers, pas avant que l'homme lui donne s'en sert pour faire un mur, par exemple. Là, ça change d'essence. Donc, le caillou ne poursuit aucune fin, la nature, de manière générale, avant que l'homme ne la travaille, ne poursuit aucune fin. Dieu, le surnaturel absolu, ne produit aucune fin, c'est seulement entre les deux. C'est-à-dire, oh surprise, dans le moyen, dans le milieu, qu'il y a une fin. Au lieu d'opposer le moyen et la fin, je montre la dialecticité intime des deux notions. La meilleure preuve est que je prends en compte alors l'autre question précisément que je rappelle qui avait été un peu bâclée dans
dans le dernier atelier, où on me disait, je ne vois pas le rapport entre la médiation et la négativité. Et l'autre question qui disait, je croyais que c'est la liberté qui était au centre de la pensée hegelienne, et enfin au centre de son modèle du mouvement historique, et voilà qu'on me dit qu'il y a un négatif qui est à l'origine de tout ça, et je voudrais montrer qu'il n'y a absolument aucune contradiction, et ici je change de texte, je reste dans Hegel, mais je change de texte, et je lis d'abord alors un texte de la fin, de la période de la fin de Hegel, je pense au principe de la philosophie du droit, et au paragraphe 5, 6, 7. Il faut à peu près deux pages chacun, une page et demie chacun, donc ce n'est pas très long. 5, 6, 7, le principe de la philosophie du droit, c'est la même numérotation pour toutes les traductions, et dans lequel j'extrais, dans le paragraphe 7, dans la deuxième partie, juste d'abord cette phrase, qui est à revenir après en arrière. Les deux premiers moments, je saute, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, les deux premiers moments, que la volonté puisse s'abstraire et qu'en même temps elle soit déterminée par elle-même ou par quelque chose d'autre, sont facilement accordés et conçus, ça veut dire qu'on n'a pas attendu moi Hegel pour distinguer la volonté indéterminée et au contraire la volonté absolument déterminée, sont facilement accordés et conçus parce que chacun pour soi, ils sont des moments abstraits sans vérité. On voit le mépris de Hegel pour tout ce qui est unilatéral, pour tout ce qui est non-dialectique, pour toute opposition où chaque terme est pris à part, sans relation à l'autre. Ils sont des moments abstraits, sans vérité. Mais le troisième, le vrai, le spéculatif, on sait que dans la dernière partie de l'œuvre de Hegel, le terme dialectique a tendance à s'effacer et à laisser la place à spéculatif, à se conserver tout en se conservant, c'est ce qu'on va voir. Il n'y a rien de plus dialectique que le spéculatif. Le spéculatif, parenthèse de Hegel, et le vrai en tant que conçu ne peut être pensé que spéculativement, est ce que l'entendement, alors ce n'est plus la raison, se refuse toujours à pénétrer, lui qui justement appelle toujours inconcevable le concept. C'est une allusion, bien sûr, à la partie négative du kantisme qui dit que le concept peut tout concevoir sauf l'essentiel, c'est-à-dire l'absolu, la chose en soi. Donc, je répète, le vrai, le spéculatif, et le vrai en tant que conçu ne peut être pensé que spéculativement, est ce que l'entendement se refuse toujours à pénétrer, lui qui justement appelle toujours inconcevable le concept. La démonstration et la discussion de ce cœur de la spéculation, alors de quoi il parle, voilà, on revient à ce que je dis, aux questions sur la négativité, de l'infini comme négativité qui se rapporte à soi. Je veux bien utiliser une notion très contemporaine d'autodestroy, mais ce ne serait pas tout à fait trahir ce que dit Hegel, parce que la négativité qui se rapporte à soi, si on regarde bien, ce n'est pas très loin. Hein. La démonstration et la discussion de ce cœur de la spéculation, de l'infini comme négativité qui se rapporte à soi, de cette source dernière de toute activité, de toute vie et de toute conscience, la démonstration, donc, appartient à la logique comme philosophie purement spéculative. Autrement dit, si vous voulez en savoir plus, il faut se référer à ma grande logique et aux démonstrations. Mais je montre ici la solennité de ce passage pour montrer l'importance de ce que signifie la négativité ici. C'est la négativité qui se rapporte à soi. Or, toujours dans cette même série des paragraphes 5, 6, 7, Hegel étudie la volonté très rapidement. Enfin, rapidement, lui, pas rapidement, mais je le résume très rapidement. Il en a besoin pour établir le droit, bien sûr, la philosophie du droit. Et, comme je l'ai souvent répété, je ne vais pas trop m'attarder, mais il y a un premier moment qui développe, qui est la volonté abstraite, la volonté typique du monde moderne derrière, où le moi se détermine comme n'ayant aucune détermination. Le moi se détermine négativement. Je ne suis ni ceci, ni cela. Je ne suis ni un Français, ni un homme. Qui vous dit, monsieur, que je suis un homme, hein. On a vu ça récemment, ça fait le tour des écrans, je ne suis pas un sexe, je ne suis pas une nation, je ne suis pas une identité, quelle qu'elle soit, le moi abstrait. Je pense à Rimbaud qui dit dans La saison en enfer, si j'avais un antécédent en quelques points de l'histoire de France, mais non, rien, voilà, la pure indétermination. Le moi se saisit négativement, c'est-à-dire en s'opposant à tout ce qui n'est pas lui.
ce qui est très profond, il faut passer par là, même si c'est très dangereux d'y rester, c'est ce qu'on va voir. Donc, voilà comment Hegel l'exprime ici, la volonté contient l'élément de la pure indétermination ou de la pure réflexion du moi en lui-même dans laquelle s'évanouit toute limitation, faisons parler les mots, hein, limitation, finitude, terminaison, hein, détermination, délimitation, définition, tout ça va ensemble. Si on refuse une détermination, on est dans l'indéterminé et donc dans l'infini, ou l'indéfini, comme on voudra. L'élément de la pure indétermination ou de la pure réflexion du moi en lui-même, dans laquelle s'évanouissent toute limitation, tout contenu, fourni et déterminé soit immédiatement par la nature, je suis un garçon, je suis une fille, je suis de race blanche, jaune ou verte, on s'en fout, les besoins, les désirs et les instincts, hein, toutes ces déterminations naturelles, soit par quelque intermédiaire, donc par la culture, par l'histoire, par la famille, par le langage, bon, peu importe. Donc, en tout cas, c'est le refus de toutes ces déterminations-là qui caractérise ce premier moment de la volonté. Deux points. L'infinité illimitée, donc ça va avec un déterminé, de l'abstraction, je fais abstraction de tout ce qui est déterminé pour me poser moi-même, l'infinité illimitée de l'abstraction et de la généralité absolue, la pure pensée de soi-même, la pure pensée de soi-même, point. Ce qui suit est une remarque. Je fais une allusion ici un petit peu ironique. À l'époque des chemins de Katmandou, dans les 60s, il y avait des tas de jeunes gens qui arpentaient donc les chemins du Népal, pas seulement des jeunes d'ailleurs, qui répétaient sur des plages, n'est-ce pas, en prenant la pose du lotus, qui répétaient la syllabe sacrée homme, homme, comme ça, je sais pas, bref, pour arriver à l'indéterminé, à l'atman, qui correspond exactement à cette conception absolument infini, mais au sens indéfini du moi, caractérisé par l'absence de toute détermination. Remarque que je saute, sans doute l'aspect de la volonté définie ici, cette possibilité absolue de m'abstraire de toute détermination où je me trouve ou bien où je me suis placé, cette fuite devant tout contenu comme devant une restriction. Dès qu'on me donne un contenu, ça me limite. Qui vous dit, monsieur, que je suis un homme? Qui vous dit que je suis français? Qui vous dit que... Bref. Est ce à quoi la volonté se détermine? Vous savez, souvent on dit, mais pourquoi vous mettez une étiquette? Ne suis-je pas au-delà de toute étiquette? C'est ce que la représentation pose pour soi, sous-entendu commune, hein, pose pour soi comme liberté, et ce n'est ainsi que, et c'est Hegel qui corrige, la liberté négative ou liberté de l'entendement. Négatif parce qu'elle ne s'obtient que par la négation de tout ce qui n'est pas elle. Et il commande, c'est la liberté du vide. Je faisais allusion tout à l'heure au nirvana, vous voyez, à l'instant, je veux dire. C'est la liberté du vide, elle peut se manifester sous une figure réelle et devenir une passion. Alors, si elle reste simplement théorique, c'est le fanatisme de la pure contemplation hindoue, vous voyez, j'étais pas loin. Si elle se tourne vers l'action, et là il y a un extraordinaire passage où il anticipe même le plus grand génocide du monde moderne qui a eu lieu en culture bouddhique, c'est quand même extraordinaire, je pense au Khmer Rouge, c'est si elle se tourne vers l'action, c'est en politique comme en religion, le fanatisme de la destruction de tout ordre social existant et l'excommunication de tout individu suspect de vouloir un ordre et l'anéantissement de toute organisation voulant se faire jour. Si jamais quelqu'un a exprimé dans ses pures déterminations logiques ce qui malheureusement donne un sens et donne une possibilité d'existence à ce qu'il y a de pire dans le totalitarisme moderne, c'est bien Hegel dans ce passage. Ce n'est qu'en détruisant que cette volonté négative a le sentiment de son existence, même le simple sentiment. Pour se sentir exister, elle a besoin de détruire ce qui est. Je l'ai illustré dans mon dernier atelier avec les avatars extraordinaires de ce conte de Rimbaud, c'est une magnifique illumination de moins d'une page que je recommande de lire et qui s'appelle dans l'illumination tout simplement conte, C-O-N-T-E. Elle pense qu'elle veut un état positif, par exemple l'état de l'égalité universelle, vous voyez qu'on n'est pas loin des Khmer Rouges, ou de la vie religieuse universelle, ça peut être n'importe quel fondamentalisme catholique, protestant, musulman, peu importe, ou la vie religieuse universelle. Mais en fait, elle n'en veut pas de la réalité positive. Car celle-ci introduit aussitôt un ordre quelconque, qui va faire la vaisselle par exemple, une
il y aura toujours, bien sûr, les femmes, comme dit Guiscard, dans le capitalisme de la séduction, même dans la maison de campagne, il y a les braves filles subjuguées qui font le ménage pour tout le monde. Je referme ma parenthèse. Mais en fait, on n'en veut pas la réalité positive, car celle-ci introduit aussitôt un ordre quelconque, une détermination singulière, aussi bien des institutions que des individus, alors que c'est en niant ces spécifications et ces déterminations objectives que, précisément, la liberté négative devient consciente de soi. Ainsi, et il résume d'une manière saisissante les enjeux politiques qu'il y a derrière ces problématiques apparemment théoriques, ainsi ce qu'elle croit vouloir peut n'être pour soi, c'est-à-dire dans sa tête à elle, qu'une représentation abstraite, et ses réalisations n'être qu'une furie de destruction. Bien. Alors, c'est là qu'on voit l'importance, pas au lieu de ce moi abstrait immédiat qui se rapporte immédiatement lui-même, de passer par l'importance de la médiation. Et ici, puisque j'ai parlé pas mal des trois moments de la médiation la dernière fois, la mémoire, le langage et l'outil, j'ai suffisamment parlé suffisamment, on n'en parle jamais assez en termes de praxis de l'outil, mais à propos, même au niveau du langage, on ne voyait pas en quoi la médiation implique, la médiation implique la négativité et la suppression. Mais regardez ce que Hegel dit dans l'autre philosophie, première philosophie de l'esprit, celle de 1803. Je montre ici la couverture, n'est-ce pas? C'est toujours chez Puff, la collection Épiméthée. Voilà. Toujours traduit par Planty Bonjour, ici. Lorsqu'il arrive au moment où la conscience accède au langage, dans sa genèse logique, il dit tout d'abord le langage ne parle qu'avec ce soi, qu'avec la signification de la chose. Il donne un nom à la chose et exprime ce nom comme l'être de l'objet. Hegel, étudiant qui vient de passer quand même, s'étoufferait encore les quelques années d'apprentissage de la théologie avec ses condisciples chez Engel-Lerlin, se rappelle bien qu'il est dit dans la Genèse de l'Ancien Testament, Dieu a donné à Adam le privilège de nommer les créatures. Donc il retient ici le langage, effectivement, la fonction de dénomination. Ceci est un arbre, ceci est un oiseau, et ainsi de suite. Bon. Le langage ne parle qu'avec ce soi, qu'avec la signification de la chose. Il donne un nom à la chose et exprime ce nom comme l'être de l'objet. Qu'est-ce ? Nous répondons, c'est souligné dans le texte, le « est ». C'est un lion, un âne, etc. Cela est. C'est-à-dire, dit Hegel, ce n'est absolument pas quelque chose qui a une couleur jaune, comme le lion réel, qui est donc supprimé, c'est ce qu'on voit ici, la négativité, des pattes, et ainsi de suite, ce n'est pas du tout ça. C'est un être autonome, propre, c'est un nom, souligné, un son, S-O-N, souligné, un son, les vibrations dans l'air. On est bien loin de l'objet de la zoologie. C'est un nom, un son de ma voix, quelque chose de tout autre que c'est dans l'intuition, sous-entendu empirique. Et tel est son être vrai. C'est seulement son nom, la chose elle-même est quelque chose d'autre. Cela veut dire que nous retombons alors dans la représentation sensible. Donc, et il le dit, il fait l'allusion, telle est la première faculté créatrice qui exerce l'esprit. Adam a donné un nom à toute chose. C'est le droit de majesté et la première appropriation de la nature entière ou l'acte de créer cette nature à partir de l'esprit. Logos est raison, essence des choses et discours. Je rappelle ici, en parallèle à ce texte que je viens de lire, qu'on retrouve cette fonction de anéantissante à l'égard de la réalité empirique qu'opère le langage dans le champ freudien. Et c'est ce qui fait qu'on passe d'un monde extérieur, laissons-le à la physique, ce n'est pas ma spécialité, le monde des objets, au monde des sujets qui communiquent entre eux par le langage. Et ce monde-là, pour le comprendre, il faut laisser, je répète, on ne répétera jamais assez, il faut laisser le couple cause-effet, non pas parce qu'il est déficient, hein, mais parce que ce n'est pas son champ d'application. Il faut le laisser au monde de la nature, le couple cause-effet, au monde de la matière naturelle, mais ici on a de la matière symbolique, et donc il faut y appliquer le couple sens-signe, si on veut s'y retrouver. Voilà essentiellement comment je répondrai ici
aux deux questions de la dernière fois, et je tiens à la. Je vais peut-être faire un petit complément sur la mort, puisque la question qui m'avait été posée en fin de séance avait l'air de ne pas comprendre comment la mort pouvait avoir cette fonction décisive vis-à-vis dans une philosophie de la liberté. Or, je prends toujours dans le même ouvrage, La philosophie de l'esprit d'Iéna de 1803, je passe au passage où je reviens en arrière, mais un passage que je n'ai pas lu, hein, je vais dire en arrière, à un stade antérieur au langage, où la conscience a déjà l'imagination et la mémoire, mais pas encore les mots. Et donc, elle est dans la nuit de la représentation. Pourquoi je dis, enfin, et c'est lui qui dit la nuit, pourquoi? Parce que, voilà, regardez, je vois le livre ici. Ça, c'est pas la nuit, c'est le monde de la lumière. Ici, c'est la lumière électrique, mais ce n'est pas la lumière du soleil, la lumière du jour, c'est le monde de la réalité empirique. Mais si je ferme les yeux maintenant et que je me représente le livre, j'ai bien une image, d'accord? Mais elle est dans ma nuit intérieure. Ça n'a plus rien à voir avec, n'est-ce pas, le livre dans l'extériorité matérielle. Cette image, je lis maintenant, et vous allez voir le rapport avec la mort, cette image appartient à l'esprit. Il est en possession de celle-ci. Il en est le maître. L'image est conservée dans le trésor de l'esprit. Dans la nuit, c'est souligné, le mot nuit est souligné. Et je demande maintenant que l'on compte combien de fois le mot nuit va apparaître dans les lignes que je vais lire. Dans un auteur comme Hegel, qui est connu par une de ses phrases les plus célèbres, qui est ironique à l'égard des romantiques et de l'absolu de Schelling, lorsqu'il dit qu'il ne faut pas confondre l'absolu avec la nuit où toutes les vaches sont noires, c'est important de voir qu'il ne se débarrasse pas de la nuit d'un revers de main non plus, hein. Donc, je reprends. Cette image appartient à l'esprit. Il est en possession de celle-ci. Il en est le maître. L'image est conservée dans le trésor de l'esprit, dans la nuit de l'esprit. Elle est inconsciente, c'est souligné dans le texte. Ça n'empêche pas, tu sais, de nous faire croire qu'il a fallu attendre la psychanalyse pour découvrir la notion d'inconscient, du continent inconscient. Que Freud ait apporté des choses qu'on n'aurait même pas soupçonné avant lui, c'est clair. Mais ce n'est certainement pas ce concept seulement d'inconscient. Il y a autre chose. Il y a du contenu chez Freud, il n'y a pas que de la forme. Donc, cette image est inconsciente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à être exposée comme objet devant la représentation, comme le livre que je vois avec mes yeux. L'homme est cette nuit. Alors oui, il ne dit plus l'homme est dans la nuit. L'homme est cette nuit. La dernière fois, à l'ENS, j'ai dit, l'homme n'effectue pas seulement des médiations. Il est médiation. Or, que dit Hegel ici? L'homme est cette nuit. Il faut passer par la médiation du monde intérieur, celui. Je dis à la nuit parce que c'est le monde auquel j'accède en fermant les yeux. Je peux fermer les yeux et même, non, ça ne m'empêche pas non seulement d'écouter la musique, mais ça me la fait écouter des fois dans d'excellentes conditions pour sentir certains parfums, hein, pour les éprouver, pour écouter une musique et pour bien des activités intérieures. Ce n'est pas du tout une réduction de fermer les yeux. L'homme est cette nuit. Ce néant vide, vous voyez la négation ici, ce néant vide, puisque j'ai supprimé tout ce qui est extérieur, qui contient tout dans la simplicité de cette nuit. Troisième fois, l'homme est cette nuit, ce néant vide qui contient tout dans la simplicité de cette nuit. Une richesse de représentation, d'images infiniment multiples, dont aucune précisément ne lui vient à l'esprit ou qui ne sont pas en tant que présentes. C'est la nuit, quatrième fois. L'intérieur de la nature qui existe ici, sous-entendu dans la représentation interne, hein, qui existe ici, pur soi, dans les représentations fantasmagoriques. Il faut prendre ici fantasma au sens étymologique de production d'image, hein. C'est la nuit, cinquième fois, tout autour. C'est la nuit tout autour. Ici surgit alors, passage étrange, subitement une tête ensanglantée. Là, une autre silhouette blanche. Étrange alternance du rouge et du blanc, hein. Et elles disparaissent de même. C'est cette nuit qu'on découvre, c'est le point culminant de ce texte, lorsqu'on regarde un homme dans les yeux. On plonge son regard dans une nuit, sixième fois, qui devient effroyable, c'est souligné. C'est la nuit, septième fois, du monde
qui s'avance ici à la rencontre de chacun. Je restitue ce texte étonnant qui est dans la première philosophie de l'esprit de 1803, un ensemble de textes qu'on a connus tardivement puisque Hegel ne les a pas publiés, qu'on a trouvé dans ses manuscrits bien tardivement. Donc voilà, je veux dire, c'est quand même capital de voir ici qu'il a fallu passer par l'anéantissement du monde donné pour arriver à cet être, je pense ici à l'homme, qui ressuscite de cette mort au monde dans un monde produit par lui. L'homme a un côté raton laveur. Je dis ça parce que c'est une image, parce que le raton laveur, il ne peut pas manger quelque chose qu'il est d'abord trempé dans l'eau. L'homme ne consomme que ce qu'il produit. Il faut l'homme, l'objet du désir humain doit porter la marque d'une activité humaine. Et c'est ainsi que là où l'animal mange cru, l'homme mange cuit. Il faut que la nourriture elle-même porte la marque d'une transformation, d'une production. Ce n'est pas un hasard, hein, si Lévi-Strauss a utilisé ce titre, le cru et le cuit, pour instaurer la coupure entre nature et ce qu'il appelle, lui, culture, et qu'en tant qu'hegeliano-marxiste, je préfère appeler histoire, même si pour l'instant ça remplit la même fonction, c'est-à-dire faire surgir un monde qu'il ne faut surtout pas confondre avec celui de la nature. Dans la culture bororo, dans la culture des Indiens d'Amazonie, c'est le jaguar qui initie l'homme à la création du feu, à la fabrication du feu, de la flamme. Alors que dans la nature, c'est par excellence l'animal qui mange cru, le jaguar. Et voilà que c'est lui qui a appris la cuisson à l'homme dans la mythologie des bororo. Voilà, je voulais juste rappeler ici qu'il a fallu que l'anéantissement de l'intérêt pour l'homme dans la vie immédiate, dès l'instant que l'homme prend conscience de la finitude du monde qui l'environne, de sa limitation dans le temps, sa donnée naturelle perd tout intérêt, et donc il n'est pas étonnant que toute son action s'investisse dans une finalité autre que celle qui est dictée par la seule législation naturelle du besoin, manger pour vivre, boire quand on a soif, reproduire l'espèce, tout ça est capital. D'accord. Mais manger entre convives, à certaines heures, ici avec des baguettes, là-bas avec des fourchettes, ailleurs avec les trois doigts de la main droite, je veux dire à chaque fois avec une adjonction de quelque chose qui est strictement inutile du point de vue purement physiologique et naturel, qui n'ajoute rien à la fonction naturelle, mais qui est essentiel pour l'homme même, au point que c'est à cela qu'on reconnaît qu'on a affaire à des humains. C'est quand il y a ce que le patronat serait capable de taxer de superflu. Je fais allusion ici à la notion sordide de minimum vital, n'est-ce pas ? Le minimum vital, l'homme des cavernes l'a déjà dépassé quand il peint sur les cavernes. Voilà. Donc merci pour cette question sur la faim. La faim ici, c'est tout le contraire de la faim. La faim, c'est un moyen de ne jamais se retrouver avec une faim déterminée. C'est une faim infinie. Comme la pointe du clocher de la cathédrale ou du minaret. Voilà. Bon, Dominique, il y a une petite question, enfin une grosse question même, parmi les commentaires des personnes qui nous font la gentillesse de suivre ce petit programme. Oui, bonsoir. Il y a une question de Patrick qui te demande, en résumé, le contraire de la mort pour Hegel, c'est la liberté, point d'interrogation. Ça rejoint la dernière question qui avait été posé à l'école normale. Le contraire, c'est pas un contraire logique. Je veux dire, pour surmonter la perte totale de goût à la vie qu'engendre la pensée de la mort, c'est plutôt ça qu'il faut comprendre. Vous allez voir pourquoi je prends la métaphore du goût, c'est pas un hasard. Je vais dire, je fais des textes précis de Hegel que je vais citer tout de suite, mais je commence quand même par l'enjeu général pour que ce soit clair. Je vais dire, pour ne pas rester dans l'absence d'intérêt total qu'a le monde une fois qu'on sait qu'on est mortel, la négativité, la médiation produit un autre monde.
Il faut comprendre que la technologie, depuis les premiers galets éclatés jusqu'à aujourd'hui, n'a pas pour but de satisfaire des besoins naturels, sinon il y a longtemps qu'on serait resté à un certain stade. Néandertal se nourrissait très bien, c'était le plus grand chasseur qu'on ait vu dans l'histoire humaine, n'est-ce pas? Il manquait, c'est pas la nourriture qui lui manquait. Mais c'est que derrière la technologie, il y a autre chose que l'utilitarisme. Et oui, il faut, la pensée anglo-saxonne domine le monde, il faut de temps en temps comprendre que la vérité du pudding ne se limite pas au fait qu'on le mange, pour paraphraser un célèbre proverbe anglais, n'est-ce pas? C'est pour surmonter le désintérêt total que nous aurions pour l'être dans lequel nous sommes plongés à la pensée de la mort, qu'un autre monde se produit, qu'on poursuit d'autres fins qui ne sont pas nécessaires du point de vue vital, du point de vue biologique. Et donc, c'est pourquoi je réponds ici très précisément par le fait que se fixer une fin indéterminée, ou le fait qu'aucune fin déterminée n'étant vraiment satisfaisante, ce que j'illustre encore une fois par l'illumination de Rimbaud, Comte, la dernière fois, qui le montre très bien, et le fait, je fais une parenthèse ici sur l'argent, le fiduciaire. Je commence par une citation de Mallarmé, qui insiste sur la double médiation. Mallarmé était un des rares poètes qui avait une grande culture philosophique et qui connaissait bien Hegel. Mallarmé dit, dans Variation sur un sujet, ceci est sur Wikisource, parler n'a rapport aux choses que commercialement. À la rigueur, attention, il y a un stop, passe-moi le sel. Bon, commercialement, il peut arriver que parler a un rapport aux choses. Mais sous-entendu, dans les 9 dixièmes des vraies occasions où il y a échange de paroles entre les hommes, c'est pas seulement pour ça. Ça, j'arrête ma voix off et je reprends Mallarmé. Parler n'a rapport aux choses que commercialement. Encore, sous-entendu, si c'était que ça, qu'il suffirait de mettre en silence dans la main d'autrui une pièce de monnaie. Génial parallèle fait par Mallarmé entre deux formes de médiation entre les hommes, deux formes de l'échange, la monnaie et le langage. Voilà, je reviens maintenant à Hegel, mais on en a été vraiment pas loin. Le fait que l'argent ait une telle importance dans l'histoire humaine en général, depuis la plus haute antiquité, c'est banal de dire qu'on court toujours après la fortune, que l'argent, en langage plus familier, dans les bars de banlieue, on dira il n'y a que la thune qui compte, etc. Bon, peu importe, je veux dire, c'est des idées familières, on peut discuter, on peut dire c'est la santé seulement. Et parmi les choses qui reviennent tout le temps, parmi les choses qui sont censées subjuguer toutes les autres valeurs, il y a souvent l'argent, la richesse, disons. Or, on peut observer ici ce que Hegel dit de l'argent dans la première philosophie de l'esprit de 1805. C'est la forme générale du désir. Alors pourquoi j'insiste là? Parce qu'on ne voit pas le côté affriolant qu'il y a dans cette définition. C'est justement parce que c'est la forme générale, donc indéterminée. Ce n'est pas un désir particulier. Lorsque j'ai eu mon salaire, j'ai l'argent dans la poche, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'ai une espèce d'ivresse en sortant sur le trottoir, parce que j'ai la possibilité, je sais que j'ai la possibilité, si j'ai envie, je ne sais pas, de me taper un bon repas dans un restaurant, d'aller faire un voyage, d'acheter la musique qui me plaît le plus, je sais que j'en ai. Mais rien de tout cela n'est encore déterminé, n'est précisé. Et si l'argent nous rend fous, c'est-à-dire nous, qui vaut pour tous, pour chacun, pour personne, peu importe ici. Mais si l'argent a une telle importance et si récurrente, c'est précisément parce qu'il vient satisfaire quelque chose de fondamental chez l'homme, qui est de ne jamais pouvoir répondre avec précision à la question « Au fait, tu veux quoi ?» Ah, ce serait bien de pouvoir répondre immédiatement à la. Hein? Et pourquoi tu prends le métro? Ah, ben parce que je vais au lycée. Pourquoi tu vas au lycée? Parce que je dois passer mon bac. Et pourquoi je passe mon bac? Ben, pour avoir un boulot. Et pourquoi tu veux un boulot? Pour avoir de la thune. Et qu'est-ce que tu vas faire avec la thune? Ben là, je ne sais plus. Et puis, est-ce que j'ai envie de savoir, après tout? Quand on dit aux Africains, je terminerai là-dessus mon chapitre sur l'argent, ma parenthèse, lorsqu'on dit aux Africains francophones, je parle, c'est surtout cela que je connais,
Au fait, est-ce que l'argent fait le bonheur? Qu'est-ce que tu en penses, Mamadou? Vous savez ce que Mamadou répond? C'est une réponse magnifique. On n'a jamais fait mieux. Il faut me donner d'abord, je te dirai après. Il faut vraiment en avoir l'argent pour poser la question. Donne-moi d'abord, je te dirai après. D'accord? Mais voilà. Mais une fois que tu as l'argent, tu sais que tu n'as toujours pas déterminé ce que tu vas en faire. Hein. Voilà. Bien. Donc, je laisse ici cette autre forme de la médiation qu'est l'argent, n'est-ce pas, qui est un milieu intermédiaire entre mon désir et sa satisfaction, hein, comme ce que très bien dit Mallarmé, hein, parler et échanger de la monnaie sont deux actes de médiation. Et voilà comment je crois répondre à la question. Je veux bien me reposer la question par scrupule, je voudrais bien savoir si j'ai répondu à moitié ou à la totalité de la question. Non, bah Patrick, te remercie déjà pour la réponse. La question, c'était le contraire de la mort pour Hegel, c'est la liberté. Point d'interrogation. Oui, mais à condition que cette liberté, il est bien clair qu'elle est toujours en puissance et que ce n'est pas une liberté qu'on a ou qu'on n'a pas. Hein, comme a très bien dit un intervenant lors de l'atelier la dernière fois, il faut passer de la liberté à la libération. À chaque fois que j'agis, c'est là qu'on voit le lien entre la mort, la praxis, la liberté, cette fois j'ai les trois termes, d'accord ? Pour pas que la mort me détruise, je fais un détour par la praxis. Hegel, le fameux concept hegelien de ruse de la raison, de ruse, la ruse est toujours un détour, hein ? Je vais y revenir. Le ruse de la raison, Hegel, dans ses premières œuvres où il emploie cette expression, c'est toujours au moment où il conçoit l'outil, l'instrument, l'outil au sens marxiste. L'outil qui sert à produire, à la production matérielle. Donc, encore une fois, pour ne pas se laisser terrasser par l'idée de la mort, non pas simplement que ça va me foudroyer, mais encore pire, et c'est là que je m'ai dit que je reviendrai tout à l'heure, j'y viens maintenant, il y a une nouvelle valeur qui apparaît chez Hegel, c'est le contraire de la fadeur, du fade. Jusqu'à Hegel, l'essentiel, c'est le vrai et le faux, c'est le grand couple de la recherche de la vérité. Et les postmodernes croient qu'il faut attendre Nietzsche pour dire que c'est peut-être pas le plus important, que c'est les valeurs qui sont importantes. Vous savez que dans un passage célèbre de Pardelal Gaïmal, Nietzsche dit « Ah là là, les philosophes, ils nous font croire qu'ils ne sont peut-être pas d'accord entre eux pour les moyens d'être en quête de la vérité, par où il faut passer, ils ne sont peut-être pas d'accord sur la route qu'il faut suivre, mais ils sont tous d'accord pour nous faire croire qu'ils cherchent la vérité. » Et pourquoi ce serait une valeur, dit Nietzsche? Il a raison de poser la question. Et pourquoi on aurait tellement intérêt à savoir la vérité? Est-ce que ce n'est pas peut-être une plus grande valeur que de se fabriquer un nom vrai, de ne pas savoir la vérité? Et Nietzsche de nous raconter le mythe de Marsyas, ce faune qui avait été, ce joueur de flûte qui avait poursuivi un faune pendant toute une journée dans les fourrés, pour lui demander le secret de notre existence. Parce que les faunes sont un peu demi-divins, donc Marsyas, le joueur de flûte, voulait savoir. Pas. Et le faune s'est retourné à un moment donné, et lui a dit, malheureux, tu veux savoir le secret de notre existence. Le plus grand bien que peut avoir l'homme dans cette vie, c'est de mourir. Et si il ne peut pas avoir ce bien, s'il est obligé de naître, et bien qu'il meure aussitôt après. Ouais, c'est très pessimiste. D'accord. Et voilà, donc il y a une autre valeur que Hegel connaît bien, bien avant Nietzsche, qui est, ce n'est pas le vrai qui est la valeur suprême ici, mais c'est ce qui empêche la vie d'être fade. Vous voyez comme je reviens à l'histoire de la mort. Car à partir du moment où il y a la mort, la répétition, ce que font les lions, moi j'ai jamais vu, j'en ai vu des lions en Afrique, dans les réserves de faune, je n'ai jamais vu un qui ne roupillait pas. Chaque fois que j'en ai vu un, il est en train de roupiller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus répétitif une vie de lion. Je me sers du lion pour faire la métonymie de l'animal en général. Mais voilà quoi. De temps en temps, il ouvre un œil comme ça parce que tout d'un coup, l'instinct le réveille. Il faut quand même manger. Il faut manger quand même. Donc il regarde. Ah, mais ça va, les femelles sont en train de s'occuper de ça. C'est bon, je veux dire. Hein, hop, je reroupille. Puis la nourriture arrive. Un petit grognement pour écarter tout le monde, les petits, les femelles. Ils mangent et ils se rendorment. Nous, on trouve déjà que c'est long qu'on passe 33 ans de notre vie à dormir, enfin un tiers de notre vie à dormir, le lion, ça doit être 90%, quoi, hein, je veux dire.
de sa vie. Mais voilà, l'homme ne peut pas vivre comme ça. Quand tu as l'idée de la mort dans le cœur, je veux dire, tu ne peux pas se faire à cette répétition qui font que les abeilles, j'ai pris l'exemple des abeilles du Japon, les nôtres, celles de Californie, qui ont le même mode de vie depuis des millions d'années, voilà. Vous vous rendez compte de la différence qu'il y a entre les modes de vie de l'homme sur un million d'années, hein, entre, je sais pas moi, entre le monde de Néandertal, le monde romain, le monde médiéval et le nôtre, par exemple, pour aller très vite. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que Hegel dit dans la préface de la phénoménologie, la vie de Dieu et celle de l'esprit peut donc, si l'on veut, vous voyez, pour Hegel, c'est même plus important, être exprimé comme un jeu de l'amour avec soi-même. Donc là, il donnerait raison à Schopenhauer. Pourquoi pas? Mais cette idée, c'est là qu'il ajoute, s'abaisse à l'édification, voire jusqu'à la fadeur. Vous voyez, je parlais du fade. Lorsqu'il manque le sérieux, la douleur, la patience et le travail du négatif de l'histoire. Citation capitale. Peut-être que le vrai est que l'esprit est toujours en colloque avec lui-même, mais c'est une idée qui est fade lorsqu'elle manque de contenu. Et ce contenu, l'homme se le donne par un immense détour, j'insiste, et j'ai dit tout à l'heure, j'achèverai là-dessus que j'y reviendrai, la ruse suppose toujours une courbe, un tropos, tropisme, un détour. Car si je suis tout puissant comme Dieu, je ne vois pas pourquoi je vais me fatiguer à faire un détour. Si j'ai la toute-puissance, je vais directement à ce qui m'intéresse. Hein. Il n'y a rien qui m'en empêche. La ruse, et les théologiens le savent très bien, Rimbaud avait déjà dit que la théologie est sérieuse. Les théologiens savent que c'est le diable qui est le rusé. C'est parce qu'il n'est pas le tout-puissant, il est un peu moins puissant que Dieu, ce n'est pas un manichéisme, pas le christianisme, qu'il doit être obligé, pour avoir notre âme, c'est ça qui l'intéresse, le diable, vous le savez bien, de s'y prendre par la ruse. De nous séduire avec des bling-bling, de faire le capitalisme, de la séduction, pour reprendre le titre, n'est-ce pas, un titre qui me tient à cœur, comme vous savez. Donc, faire un détour suppose un être qui n'est pas tout-puissant, c'est ça l'homme. Il fait un détour par la techné, par l'outil, par la praxis. Mais ce détour, en même temps, c'est ce détour qui fait dire à Eulerlin, les dieux ne peuvent pas tout, car les hommes avant eux atteignent l'abîme. Ainsi, avec eux, donc avec nous tous, l'écho change, car il est long le temps, mais il survient le vrai. Ainsi, s'est produit un monde. Je finirai par une illustration, si je le prends à l'envers maintenant, pour comprendre tout ce que ce détour a apporté, parce qu'il y en a qui pourraient dire quand même, c'est beaucoup accordé à une ruse, à un détour, est-ce que c'est pas mieux un monde naturel, regardez comme la nature est belle en confondant nature et paysage, mais ça je viendrai le trimestre suivant. Je cite un passage de La recherche du temps perdu de Proust, pas un passage où il surprend le regard, il est encore timide, il est adolescent, il donne jamais tout à fait son âge au narrateur, il surprend le regard d'une des jeunes filles qu'il a aperçues sur la jetée. Et il est trop timide pour lui adresser la parole. Elle est sur un vélo, ce qui est très moderne pour l'époque. Et elle le regarde. Et tout d'un coup, il a cette réflexion. Je cite, « Si nous pensions que les yeux d'une telle fille ne sont qu'une brillante rondelle de mica, bref, si c'était une fille virtuelle, comme on dit maintenant, l'homme bionique, si vous voulez, hein, une fille qui serait une apparence de fille faite parfaitement reconstituée par une image, vous savez, c'est tout à fait votre génération, là, vous en... Si mieux que moi, on peut faire beaucoup mieux maintenant que les automates de l'époque de Descartes. Bon, eh bien, si nous pensions que ses yeux ne sont qu'une brillante rondelle de mica, nous ne serions pas avides d'unir à nous sa vie. Ne la désirions pas, quoi. Mais, il dit, au contraire de cela, sous-entendu, nous sentons que ce qui lui, du verbe luire, donc là, il ne parle même pas de la composition matérielle de l'œil, mais de l'éclat qu'il y a dedans, donc de ce qui vient de l'intérieur. Mais nous sentons que ce qui lui, à travers, je cite, ce disque réfléchissant, je fais suivre le texte de Hegel sur que c'est la mort qu'on voit quand on regarde un homme dans les yeux, je fais suivre maintenant d'un surcroît de vie dans l'éclat de l'œil de cette jeune fille, un éclat que je compare à celui qu'il y a sur la lèvre de la jeune fille à la perle de Vermeer, pour prendre un tableau bien connu de chacun, et que je souhaite en tout cas qu'il soit connu de chacun et de chacune. Donc, ce même éclat, nous sentons que ce qui, lui, dans ce disque réfléchissant, sait,
virgule, inconnu US de nous, et là commence le sujet renversé, les noires ombres des idées que cet être se fait par rapport aux gens qui l'intéressent, la pièce dans laquelle elle va entrer, les projets qu'elle a formés ou qu'on a formés pour elle, le casino, la pâtisserie dans laquelle elle rentre, la pelouse des hippodromes dans lesquels elle va aux courses. Bref, c'est toute sa vie qui m'inspirait un désir infini, illimité et douloureux parce que je le sentais irréalisable. Qu'est-ce qui cite là tout ce que l'histoire a produit? Un pelouse des hippodromes, pâtisserie, casino, le monde dans lequel elle va rentrer, nous savons bien au fond. Hein? Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration, j'en ai fait allusion la dernière fois, aux amours de Bidinette, n'est-ce pas? Que je déteste qu'on parle de ces jeunes filles avec un certain mépris, parce qu'elles ne sont pas aussi cultivées que, sont que celles qui vont écouter les bavardages de Philippe Solers ou autres salons littéraires. Et bien moi, je trouve que c'est admirable parce qu'elles ont bien conscience qu'il y a tous ces enjeux-là et elles ne voudraient pas qu'on retire tout l'artifice et tout ce qui est produit par la praxis de leur vie quotidienne. Parce que les pauvres, avec le peu de salaire qu'on leur donne et le travail exténuant, auxquelles elles sont assignées, il ne resterait pas grand-chose. Voilà, je ne peux pas rendre plus bel hommage à ce que l'homme a fait pour surmonter la mort. C'est une bonne nouvelle, je ne suis pas en train de paralyser l'homme avec l'idée hegelienne de la mort, au contraire, et Hegel certainement pas. Hegel dit bien dans la préface à la philosophie du droit que la vraie connaissance donne une réconciliation beaucoup plus chaleureuse. Concevoir la raison, ce sera ma conclusion, c'est une citation de Hegel dans la philosophie du droit, concevoir la raison comme la rose dans la croix du présent. Bon, ben, et la réponse russe. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Ben, merci. Rappelle-moi le prénom. Alors, c'était Patrick, là, pour la dernière question. Merci, Raphaël et à Patrick. On peut terminer pour se dire que l'atelier numéro 3, on ne sait pas encore la date parce qu'il y a toujours des petites incertitudes sur la salle. Donc, oui, je crois qu'on ne fera pas ma connaissance avant les tout premiers jours de décembre. Hein. D'accord, ok, on communiquera. Là, il y a une structuration, donc on ne peut pas le savoir. Ok, de toute façon, on dira tout ça sur Facebook à tout le monde dès qu'on aura la date. Eh bien, écoute, merci beaucoup et puis merci à vous qui nous ont suivis et aux commentaires. Je te transmettrai, Dominique, tous les commentaires qui ont été édités. Merci. Ils sont les bienvenus, y compris les commentaires négatifs, ça fait avancer.